de revêtement de caoutchouc qui est de 6 mm, qui est fait exprès pour tout ce qui est salle de sport, pour l'amortissement des poids, des haltères, tout ça. Après, ce qui est bien, c'est que c'est surtout au niveau de la robustesse. C'est du caoutchouc, donc c'est increvable, comme on dit. Une fois posé, on y pose un vernis dessus qui est hyper costaud. Pour le nettoyage, c'est mieux, mais en y mettant un vernis de finition, on peut y passer un coup de serpillière sans problème. Après, Jean-Baptiste Poète m'a proposé de faire ce partenariat en faisant la salle de musculation. Pas du tout, je ne fais pas de pub, rien, et puis ça m'apporte un petit plus de ce côté-là, et ça prend déjà effet. Les effets sont déjà bénéfiques au niveau de ce point de vue-là. On est ici aujourd'hui dans la nouvelle salle de muscu du FCM, flambant neuve. Le magasin a permis de mettre à disposition un téléviseur avec son accroche murale. Donc une entreprise locale, mais en même temps contribuer au développement d'une association sportive comme le FCM, qui m'est cher maintenant. Ça commence à faire pas mal d'années que je suis là-dedans. C'est mon club, donc du coup, de fait, la pièce n'est pas immense, mais très très bien optimisée. Il y a du super matos, vraiment sacré boulot. Ouais. Collage à Michelon, donc à Marmande, chez voisin. Entreprise de peinture dans le bâtiment et partenaire du FCM depuis de nombreuses années. Ancien joueur aussi, donc avec des bénévoles qui ont fait un super travail dans cette salle de muscu. Et donc moi en tant que partenaire, j'ai seulement fourni la peinture, mais je suis très satisfait du résultat. Donc ils ont assuré au niveau de cette salle et même des vestiaires qu'ils ont entièrement repeint. Voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Nous, on s'est changé dans les préfabriqués. J'étais jeune, les cadets juniors. Bon, voilà. Non, ça n'a plus rien à voir. Là, ils ont vraiment des infrastructures dignes d'un club, de niveau régional, même peut-être plus haut un jour. Donc, ils ont de très belles infrastructures. Voilà.